Salut Philippe, tu nous rends visite aujourd'hui à l'entreprise. Après plusieurs mois d'utilisation de ton porte-tricycle, qu'en penses-tu ? Ben, je suis très rassuré par rapport à la robustesse de ce porte-tricycle et en plus, ça m'ouvre de nouveaux horizons, de nouvelles balades, de nouvelles promenades, y compris pendant mes vacances. Pourquoi un porte-tricycle ? Ben avec la volonté de pouvoir l'utiliser 365 jours par an, quel que soit l'endroit, y compris pendant mes vacances, et surtout avec la volonté de pouvoir utiliser pleinement mon véhicule pour transporter des bagages ou des amis, et aussi mon tricycle, donc du coup à l'extérieur. Lorsque tu as reçu ton porte-tricycle, qu'est-ce que tu as eu à faire ? Bah, lire la notice d'explication, rassembler toutes les pièces, ça m'a pris à peu près 20 minutes, tout était fourni, les outils qui ont permis le montage, et à la suite de ce montage de la pièce, je l'ai fixé sur ma boule d'attelage avec 4 vis, c'est de l'acier, tout était fourni pour me faciliter les choses. Comment on met le tricycle sur le porte-tricycle ? Bah, c'est très facile, hein. Il suffit de le transporter, il faut être deux. On le pose sur les rails du porte-tricycle et ensuite on a des sangles, 3 petites sangles qui sont fournies et qui permettent d'attacher les roues. Comment se passe la conduite avec le porte-tricycle ? Il n'y a pas de difficulté particulière lorsque l'on est en marche avant. Il faut juste ralentir lorsque l'on passe sur des dos d'âne. Et puis, il faut être vigilant lorsque l'on recule parce qu'on a un mètre derrière soi.